La foi qui me fait vivre. Toute la nature défendue par Dieu, le 22 janvier. La parole de Dieu et la création. Il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Colossiens 1, verset 17. En ce qui concerne cette terre, l'Écriture déclare que l'œuvre de la création est achevée. Les œuvres étaient achevées dès la fondation du monde. Hébreux 4, verset 3. Mais la puissance de Dieu s'exerce encore en soutenant les objets de sa création. Chaque souffle, chaque pulsation du cœur est une preuve de la sollicitude de celui en qui nous vivons. Nous nous mouvons et nous avons notre être. Ce n'est pas par sa propre énergie que la terre produit ses bienfaits et qu'elle poursuit année après année son mouvement autour du soleil. Une main invisible guide les planètes dans leur circuit céleste. Le Dieu du ciel est constamment à l'œuvre. C'est par sa puissance que la végétation s'épanouit, que chaque feuille apparaît et que chaque fleur fleurit. Chaque goutte de pluie ou flocon de neige, chaque touffe d'herbe, chaque feuille et fleur et arbuste témoignent de Dieu. Ces petites choses si communes autour de nous enseignent que rien n'échappe à l'attention du Dieu infini, rien n'est trop petit pour son attention. Beaucoup enseignent que la matière possède une puissance vitale et que les opérations de la nature sont conduites en harmonie avec les lois fixes avec lesquelles Dieu lui-même ne peut interférer. C'est là une fausse science qui n'est pas soutenue par la parole de Dieu. La nature est la servante de son Créateur. Dieu n'annule pas ses lois ni ne travaille à leur encontre, mais il s'en sert continuellement comme d'un instrument. L'œuvre de Dieu dans la nature n'est pas Dieu lui-même dans la nature. Si la nature est l'expression de la pensée de Dieu, ce n'est pas la nature, le Dieu de la nature, qu'il faut exalter. Il y a dans la nature l'œuvre continuelle du Père et du Fils. Le Christ dit « Mon Père a travaillé jusqu'ici et moi je travaille. » Jean 5, verset 17. La main qui soutient les mondes dans l'espace, la main qui maintient dans leur arrangement ordonné et leur activité infatigable toutes les choses dans l'univers de Dieu, est la main qui a été clouée à la croix pour nous.